Bienvenue à l'émission Questions-Réponses. Prophète Tandji, je viens vous poser une question parce qu'un abonné de JC Gloire TV me l'a posée. À savoir, est-ce normal pour des enfants de Dieu de porter des perruques, de faire le make-up ou alors des locks? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour répondre à cette question, d'emblée, il serait important pour nous de souligner que Jésus-Christ de Nazareth aime l'exemplarité à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le plan spirituel, physique, vestimentaire. D'ailleurs, le livre de Tite 2, verset 7, confirme mes propos. Cependant, avec toute proportion gardée, nous savons qu'on reconnaît le moine à partir de sa tunique. Mais de l'autre côté, la tunique ne fait pas le moine. Cette réalité nous invite, nous implique dans une réflexion profonde qui nous conduit forcément, ou qui nous conduira forcément dans une vérité prophétique. Cette réflexion profonde nous permet d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de l'aspect physique, car ce qui compte, c'est la vérité qui se dégage du cœur, et non le paraître. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur, et non l'apparence. Car la Bible déclare, dans 1 Samuel 16, verset 7, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. D'ailleurs, le livre de Proverbes 4, verset 23, nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Apprenons, par la grâce et pour la gloire de Dieu, à marcher par l'esprit et non par la vue, afin d'accomplir la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour chuter, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens vont parler. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens vont parler. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir dans la présence de Dieu. Mais le plus important, c'est de toujours faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth t'a assigné. Car la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, nous allons écouter un cantique, le choix de Dieu. Et je pense qu'au travers de la réponse, nous avons saisi que le choix de Dieu ne s'apprécie pas sur le plan de la rationalité humaine. Car plusieurs critiquent ceux qui portent les mèches ou ceux qui s'habillent d'une manière somptueuse. Or, ils oublient que Jean-Baptiste était le choix de Dieu. Mais il ne se rasait pas, car Dieu lui avait demandé de vivre de cette manière. Ils oublient que la reine Esther portait des vêtements somptueux. Or, dans son cœur, elle servait le véritable Dieu. Je t'invite donc, toi qui attaches les foulards, à bénir le Seigneur pour ceux qui servent Dieu dans cet élan. Car le plus important, c'est le cœur. Tu me diras qu'on ne connaît pas l'origine des mèches. Je te dirai aussi que nous ne connaissons pas l'origine de la peau des animaux que nous utilisons pour les chaussures. Nous devons retenir en fin de compte que tout est pur pour ceux qui sont purs. Retiens que nous sommes le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Personne ne nous dit ni fait son nom. Imaginez dans les étoiles.
Parce que tu nous as choisis pour ta gloire. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen.